Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point, tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants, ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine.
Marie, la mère de Jésus, était une femme décrite par Dieu comme ayant reçu une « faveur immense ». L'expression « faveur immense » est tirée d'un seul mot grec signifiant essentiellement « beaucoup de grâce ». Marie a reçu la grâce de Dieu. La grâce est une « faveur imméritée », c'est-à-dire une chose que nous recevons alors que nous ne la méritons pas. Marie avait besoin de la grâce de Dieu, tout comme vous et moi. Marie elle-même a compris cet état de fait, puisqu'elle a déclaré « Et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur ». Marie reconnaissait qu'elle avait besoin d'être sauvée, qu'elle avait besoin de Dieu comme son Sauveur. La Bible ne dit jamais que Marie était autre qu'une femme ordinaire que Dieu a choisi d'utiliser de manière extraordinaire. Oui, Marie était une femme juste qui a reçu une faveur, une grâce, de la part de Dieu. En même temps, Marie était également un être humain pécheur, qui avait autant besoin que n'importe qui d'autre de Jésus-Christ comme son Sauveur. Marie n'a pas fait l'objet d'une immaculée conception, il n'y a aucune raison biblique qui puisse nous amener à croire que la naissance de Marie n'a pas été une naissance humaine normale. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ? Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras pas de statue ni de représentation quelconque de ce qui est en haut dans les cieux, de ce qui est en bas sur la terre et de ce qui est dans les eaux, plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles et tu ne leur rendras pas de culte. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Tu ne te prosterneras pas devant elles et tu ne leur rendras pas de culte. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Ne vois-tu pas ce qu'ils font dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem ? Les enfants ramassent du bois, les pères allument le feu et les femmes pétrissent la pâte pour préparer des gâteaux à la reine du ciel et pour faire des libations à d'autres dieux afin de mériter. Marie était vierge lorsqu'elle a donné naissance à Jésus, mais l'idée de la virginité perpétuelle de Marie est non biblique. Matthieu déclare à propos de Joseph, « Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils, auquel il donna le nom de Jésus. » L'expression « jusqu'à » indique clairement que Joseph et Marie ont eu une union sexuelle après la naissance de Jésus. Joseph et Marie ont eu ensemble plusieurs enfants après la naissance de Jésus. Jésus avait 4 demi-frères, Jacques, Joseph, Simon et Jude. Jésus avait également des demi-sœurs dont on ne connaît ni les noms, ni le nombre. Dieu a béni Marie et lui a fait grâce en lui donnant plusieurs enfants, ce qui, dans leur culture, était un signe clair de la bénédiction de Dieu dans la vie d'une femme. Alors que Jésus parlait, une femme s'est écriée dans la foule, « Heureux le sein qui t'a porté. Heureuses les mamelles qui t'ont allaité. » Il n'y avait pas meilleure occasion pour Jésus de déclarer que Marie était vraiment digne de louange et d'adoration. Quelle a été la réponse de Jésus ? Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu, et qui la gardent. Pour Jésus, l'obéissance à la parole de Dieu était plus importante que le fait d'être la femme qu'il avait enfantée. Les Écritures ne mentionnent nulle part Jésus ou quelqu'un d'autre adressant la louange, la gloire ou l'adoration à Marie. Élisabeth, une parente de Marie, a loué cette dernière, mais sa louange était basée sur le fait que Marie allait donner naissance à Jésus. Marie était là au pied de la croix à la mort de Jésus. Marie était avec les apôtres le jour de la Pentecôte, Actes 1.14. Mais Marie n'a plus jamais été mentionnée après le chapitre 1 du livre des Actes. Il n'apparaît nulle part que les apôtres ont confié un rôle prédominant à Marie. La mort de Marie ne figure pas dans la Bible. Il n'y a aucune trace de l'ascension de Marie ou d'un quelconque rôle exalté qu'elle joue dans le ciel. Marie doit être respectée en tant que la mère terrestre de Jésus, mais elle n'est pas digne de notre adoration.
La Bible ne dit nulle part que Marie peut entendre nos prières ou qu'elle peut servir de médiateur entre Dieu et nous. Jésus est notre seul avocat et médiateur dans le ciel. Si elle se voyait adorer ou prier, Marie dirait la même chose que les anges, adore Dieu. Marie nous donne elle-même l'exemple en adressant son adoration et sa louange à Dieu seul, « Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici, désormais toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint. »